Dans le volet santé, on parle de cette dotation en médicaments au centre médical d'Akeni par l'association des commerçantes de cette localité située dans la province du Haut-Ogooué. Un don qui vient soulager, il faut le dire, mais surtout apporter une bouffée d'oxygène dans le fonctionnement de cette structure hospitalière. Jean-Romano Lubaluba, Fabrice Lemboma. L'acte de générosité posé par les femmes commerçantes de la commune d'Akeni et du département de Lekoni-Lekori a été salué aussi bien par les malades que par le personnel en service au centre médical d'Akieni. La présidente d'honneur de cette structure patiente d'Abani empêchée, c'est la présidente active qui a remis le don composé de plusieurs cartons de médicaments divers au profit des pensionnaires de cette structure sanitaire en présence de la mairesse de cette localité, Regina Mali. L'acte que nous venons de poser fait suite à la politique de partage prônée par le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, chef de l'État. Ce geste éviterait à juste titre que les malades parcourent de longues distances pour aller se faire soigner à Franceville, avec tous les risques que cela comporte. D'où le remerciement du médecin-chef du centre médical d'Akieni. Je remercie sincèrement votre marraine et nous remercions aussi le chef de l'État qui prend le partage. Nous allons faire bon usage de ces médicaments. Si le coût de cet important don n'a pas été indiqué, de même, les noms des différents produits n'ont pas été révélés, le souhait collectif est que d'autres emboîtent le pas aux femmes commerçantes au nom de la solidarité agissante qui doit animer les bonnes volontés envers la frange de la population en détresse qui ne demande qu'à être secourue.